Bonjour, bienvenue sur ce live des vendredis de la recherche. Alors aujourd'hui, on a un live spécial pour la semaine du cerveau. J'ai trois invités spéciaux. On va parler du programme, de ce qui s'annonce pour la semaine prochaine. Je vais commencer par Laurie Galvan. Alors Laurie, qu'est-ce que tu fais à l'Université de Nîmes ? Donc je suis maître de conférence en neurosciences. Je suis arrivée en septembre dernier. Très bien. Ensuite, Anthony Philippe, alors, tu es Enseignant-chercheur en STAPS et dans le domaine de la physiologie. Ça fait quelques années aussi maintenant que je suis à Nîmes. Et au laboratoire APSI. Au laboratoire APSI, oui, tout à fait. Et Patricia Giannoni. Donc. Oui, maître des conférences en biologie et à l'Université des Nîmes depuis 2016, toujours dans le laboratoire CROM. D'accord. Alors, Patricia, explique-nous un petit peu quel est ton rôle pour la semaine du cerveau cette année. Oui. Effectivement, alors nous avons réalisé la semaine du cerveau à Nîmes depuis quelques années maintenant, mais depuis un petit moment, on va dire, nous sommes un petit comité des neurobiologistes et du coup on pense avoir des forces vives pour organiser quelque chose de vraiment bien à l'université avec plusieurs conférences, plusieurs types d'animations. Et cette année, c'est la première fois que nous l'organisons au niveau national. Du coup, nous avons constitué un comité scientifique de lesquels Laurie Galvan et Anthony Philippe font partie, mais aussi Fabricio Pereira, Christian Sietka et Valérie Compan, vous m'aidez, j'oublie personne, et moi-même, voilà. Et bien sûr, avec l'aide de la direction à la recherche, Samantha Schneeg, Yannick Martiquet, l'aide du service communication, voilà, l'aide de beaucoup de services de l'Université de Nîmes, nous avons réussi à mettre en place un programme qui, on espère, va solliciter les différents types de publics. C'est vraiment un grand public, mais pour tous les âges. On va avoir des présentations pour les collèges et lycées, par exemple, et les conférences du soir, Laurie va en avoir. Anthony Philippe, c'est plutôt le vendredi pour collèges et lycées, si je ne me trompe c'est pas. Ça, oui. Et du coup, on va viser voilà, les différents âges, mais les différents aussi types d'intérêts dans les domaines des neurosciences et du cerveau de façon générale. Alors, on va parler plus en détail du programme de chacun et de ce qui s'annonce. On n'a pas dit, en gros, le programme, donc, c'est du 13 au 17 mars à Nîmes. Il y a des conférences grand public le lundi, mardi, mercredi, jeudi à 18h. C'est sur inscription, donc les inscriptions sont encore ouvertes. Tout le monde peut encore s'inscrire, il reste des places. Et après, il y a des ateliers le jeudi et le vendredi, dont vendredi, la fameuse fresque du cerveau. Exactement. Alors, vendredi, nous avons une fresque collaborative qui a été réfléchie par Alain Verpillot. C'est une artiste de Montpellier qui a déjà collaboré avec l'Université des Nîmes à différents moments, par exemple pour la fête de la science, si je ne me trompe pas. Et il a pensé cette fresque dans le domaine du cerveau, à laquelle les intervenants vont participer. Ils vont être bien évidemment un peu guidés dans cette réalisation. Et à 16h30, il y aura, voilà, on va dévoiler cette œuvre artistique qui va rester comme mémoire de cette première édition organisée à l'Université des Nîmes. Du coup, nous avons sollicité des collégiennes et des lycéennes. Mais, et je prends l'occasion pour lancer les messages, des midi ou plutôt 11h30 jusqu'à 14h, c'est ouvert pour tous les personnels de l'Université des Nîmes. Vous pouvez venir participer, voilà, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Et pour tous les étudiants aussi. Pour tous les étudiants, bien évidemment. Et après, on va les prendre à l'après-midi, et à 16h, on va arrêter, et à 16h30, voilà, on va dévoiler cette œuvre artistique. On connaît la qualité des présentations et des représentations d'Alain Verpillot, du coup, ça va être une surprise. Mais on va dire, on n'a pas des doutes sur la qualité et sur l'impact que cette œuvre d'art va avoir. Donc dans le programme, alors c'est ce programme-là qui a été validé par donc la coordination nationale de la semaine du cerveau. Exactement. La société des neurosciences. Il y a une coordination au niveau national, c'est la société des neurosciences qui guide ça. Du coup, les programmes étaient validés. Bien sûr, les programmes étaient proposés et analysés par tous les comités scientifiques. Et une fois qu'il a été validé, nous avons soumis ce programme qui a été validé au niveau national. Nous avons aussi reçu un financement de la part de la société des neurosciences, des 1 000 euros, c'est quand même important. Et ça nous a fait vraiment plaisir. On espère en avoir à nouveau dans les futurs. Après, ça s'est réalisé aussi en collaboration avec Mme Zora Benfoda pour les cordées de la réussite. Parce que, bien évidemment, comme il y a des collèges et des lycées qui sont encordés avec l'Université des Nîmes, disons, les actions se rejoignent un peu dans les buts d'impliquer un peu, de faire participer les collèges et les lycées à différents types d'actions. Du coup, nous avons ces financements qui est effectivement important et qui nous aide pour faire vivre cette première édition. Très bien. Merci pour cette partie sur la programmation. On va rentrer un petit peu plus dans les contenus. Donc, Laurie, à quel niveau tu interviens donc, dans la semaine du cerveau et explique-nous un petit peu ton intervention. Donc, je vais donner une conférence qui est sur le vieillissement cérébral
et sur comment bien agir. Donc c'est vraiment le vieillissement non pathologique, hein, le vieillissement auquel nous sommes tous soumis et confrontés. Pour le grand public, voilà. Et tu peux nous expliquer un petit peu le lien avec ce que tu fais en recherche, alors ? Oui, alors moi, j'ai toujours travaillé dans la notion de vieillissement à travers deux pathologies. J'ai travaillé 10 ans sur la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative, qui se déclenche plutôt dans la 3/4 des cas chez l'adulte, des cas juvéniles, mais c'est très rare, et ça perdure. Et récemment, il y a à peu près 5 ans, j'ai pris la tournure de travailler sur l'autisme dans le vieillissement, puisque c'est une pathologie qui perdure dans le temps. On ne guérit pas de l'autisme, mais on entend beaucoup parler de cette pathologie chez l'enfant. Et après, chez l'adulte, ça passe un peu inaperçu. Mais voilà, moi, je m'intéresse à comprendre comment est le cerveau des personnes autistes au niveau moléculaire, comment leurs neurones discutent, pour pouvoir, plus tard, c'est le but, hein, adapter une thérapie ou changer la posologie, par exemple, de certains médicaments, parce que leur cerveau est différent de ceux des enfants. D'accord. Voilà. Merci. Anthony, qu'est-ce que tu as prévu pour cette semaine du cerveau ? Alors, explique-nous un petit peu, et d'où vient cette idée d'animation ? Alors, du coup, moi, j'ai 2 interventions pour la semaine du cerveau, donc le vendredi. Une intervention le matin, où c'est vraiment un atelier... un jeu ludique avec, donc c'est les scolaires, avec les jeunes, où on a la chance d'avoir à l'université un dispositif qu'on appelle LU, qui est un dispositif interactif où on projette en fait sur un mur en général, des images grâce à un vidéoprojecteur. Il y a plein de capteurs et on va lancer la balle sur des cibles, sur des jeux, donc ça veut dire défendre la planète contre des invasions ou plein de jeux. Il y a des dizaines et dizaines de jeux qu'on peut mettre en place. Et donc en fait, on combine un petit peu des aspects plutôt cognitifs, parce que les jeux, ça peut être aussi faire des tâches de calcul et lancer la balle sur les bons résultats qui s'affichent au mur, ou alors purement ludique. Et tout ça, en fait, en bougeant. Donc c'est le lien avec mes travaux et mes thématiques sur lesquelles je travaille. C'est-à-dire l'effet de l'activité physique et la pratique de l'activité physique à des fins de santé. C'est vrai que quand on parle d'activité physique, c'est-à-dire un peu de sport au sens large, donc plus vraiment bouger son corps, on pense à développer ses muscles, renforcer son corps, mais les effets aussi sont nets et largement connus sur le cerveau. Au niveau du fonctionnement cérébral, on augmente l'oxygénation, la vascularisation, bref, on stimule tout ça aussi. Et donc avec ce dispositif, très ludique, on arrive à s'amuser en bougeant et également en stimulant le cerveau, ce qui peut aussi donner lieu à des projets de recherche qui sont en cours de montage au laboratoire avec les équipes. Donc ça, c'est pour l'atelier du matin. On va pouvoir faire participer un certain nombre de jeunes à cet atelier-là. Mais c'est collège et lycée à partir de 4e, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, on va avoir quelques dizaines de personnes qui vont pouvoir jouer à ce super jeu. L'après-midi, là, c'est plus sur un format conférence, toujours grand public. Et cette fois-ci, une conférence un peu interactive, j'ai appelé ça comme ça. Donc en fait, là, c'est plutôt dans une salle classique d'amphithéâtre, où je présente un peu je fais une présentation sur l'activité physique, en gros le sport, et les liens sur le cerveau à travers le plaisir qu'on a à pratiquer. Donc tout ce qui est plaisir produit par la pratique, donc ça se passe au niveau cérébral aussi, au niveau de certains fonctionnements. Et donc l'idée, c'est de comprendre comment pratiquer régulièrement, ou même souvent, peut provoquer une sorte de... enfin, renforcer la motivation, et à l'extrême même, rendre un petit peu dépendant au sport, dans les cas vraiment à l'extrême. Et donc là, j'appelais ça interactif parce que, je vais poser des questions, il y a des questions qui vont s'afficher au tableau et les participants pourront répondre à travers leur téléphone et les réponses vont s'afficher directement au tableau, soit sous forme de QCM, sous forme de cliquer sur l'image, qu'est-ce qu'on doit répondre. Bref, il y a tout un tas de formes de questions différentes et on interagit avec le public pour pas que ce soit juste descendant où je parle et les autres écoutent. Finalement, la conférence prend la tournure des retours en fait, que j'ai de par le public. Et Patricia, alors, ton intervention ? Oui, alors, mon intervention, ça sera le jeudi matin à 9h30 avec Fabricio Pereira. Et du coup, la thématique, c'est autour de la plasticité cérébrale. Et c'est une thématique que j'ai beaucoup à cœur parce que c'est lié
pas forcément à mon activité de recherche, mais plutôt à mon activité d'enseignement dans ces cas-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, surtout les plus jeunes âges, peut-être à l'université déjà un peu plus, grâce aussi aux cours de méthodologie que, par exemple, l'Université de Nîmes a mis en place. Mais quand on parle des plasticités cérébrales, en général, niveau collège et pour la plupart même au niveau lycée, ils ne savent pas de quoi on parle. Alors que c'est fondamental, c'est la capacité de notre cerveau d'échanger avec les temps, avec les expériences. Et du coup, c'est tout ce qui rentre dans l'apprentissage, dans la mémorisation aussi. Du coup, c'est avoir connaissance de ces phénomènes, connaître comment le cerveau peut être stimulé et réagir en fonction des stimuli que nous lui donnons, je pense que c'est vraiment fondamental. Et le but, c'est, on a plusieurs formes, hein, des propositions pour les élèves collège et lycée, c'est de leur faire réfléchir et leur faire apprendre à connaître leur cerveau. Et ça sera avec Fabrizio Pereira qui va proposer quelque chose. Bon, bien sûr, on essaie hein, toujours de solliciter avec des questions, voilà. Alors, ce n'est pas interactif comme vient de décrire Anthony tout à l'heure, mais bon, on posera quand même des questions. Oui, il y aura une certaine forme d'interactivité. Absolument. Le public doit forcément participer, surtout quand c'est un public très jeune, voilà, il ne faut pas que ça soit donnant dans son côté, je rejoins complètement. C'est en fonction du public, en fait, c'est ce qu'on propose. Et la partie de Fabrizio, je pense, ça va être vraiment fascinante parce qu'il va montrer. Comment... Donc Fabrizio Pereira qui est maître de conf en biophysique. En biophysique, tout à fait. Il travaille sur l'imagerie médicale beaucoup. Exactement, c'est sa spécialité. Du coup, il va proposer une démonstration à travers laquelle il va montrer comment on peut moduler l'activité cérébrale. Et du coup, bah, il va y avoir un participant qui va être notre testeur. Voilà. Et certainement un cobaye qui n'est pas très loin, qui est à la direction de la recherche. Je pense, effectivement, ce serait un bon exemple. Voilà. On se cache. On va lui offrir un café. Hein. On va le payer directement. Et pour montrer comment, effectivement, on peut moduler l'activité de notre cerveau. Et tout ça, ça sera à travers la modulation de l'intensité d'une flamme. Du coup, en fonction de l'activité qu'il va avoir, s'il est plus ou moins sollicité, s'il arrive à mettre un peu son cerveau comme en fonction des stand-by, voilà, ce sont des ondes, en fait, des transmissions qui changent au niveau cérébral, ben, il va avoir cette flamme qui devient plus intense ou moins intense. Et du coup, c'est une démonstration pratique qui n'est pas possible de proposer pour tous les publics, mais qu'ils pourront voir quand même en direct. Du coup, je pense qu'il y a cette partie qui est assez innovante et fascinante. D'accord. Il y a déjà des personnes qui nous ont sollicité, des personnes du grand public qui ont vu ça dans le programme et qui voulaient savoir si on pouvait faire une session supplémentaire pour le grand public. Alors ça, c'était difficile au niveau d'organisation du programme parce qu'effectivement, on a déjà proposé pas mal d'activités. Comme c'est une semaine assez intense pour l'Université des Nîmes, on a déjà une réservation d'amphithéâtre, les grands auditoriums les soirs du lundi au jeudi à 18h. Et après, quelques amphithéâtres voilà, pour les ateliers, les conférences interactives. Mais je pense qu'il reste des places parce qu'on a l'amphithéâtre à 2 et je pense que ça fait 200 places en total, Samantha, je ne me trompe pas. Ouais. Du coup, si quelqu'un est effectivement intéressé, je pense qu'il pourra venir et écouter cette présentation. Ouais, on va adapter les niveaux aussi en fonction du public qui sera présent pour que tout le monde puisse comprendre et en tirer quelque chose de positif. Oui, on a déjà un programme assez riche cette année. Tout à fait. Et c'est la première édition qu'on réalise à partir de Nîmes. Donc tous les trois, vous intervenez, on voit l'étendue, un exemple d'étendue de ce que peuvent recouvrir les sciences du cerveau. En fait, la semaine du cerveau, c'est fait pour ça, hein, pour montrer au grand public que ces sciences-là sont en lien avec plein d'autres sciences, en fait. Tous les trois, vous êtes sensibles à ce qui est, tout ce qui est médiation scientifique, à faire connaître vos recherches au grand public et à les faire partager, à rendre accessible ce qui ne l'est pas en soi, puisque ce que vous faites n'est pas accessible en soi. Il faut arriver à en parler et à bien en parler pour que le grand public puisse y accéder. Ça vous vient d'où? Alors, Laurie, ça vient d'où cette envie de partager? Alors, moi, j'ai découvert la vulgarisation scientifique aux États-Unis. Puisqu'on nous avait entraînés à présenter nos recherches en 3 minutes, c'était le temps de l'ascenseur. Okay. Dans le cas, on ne savait jamais avec qui on prenait l'ascenseur, et donc potentiellement des personnes qui pouvaient donner de l'argent à la fondation, donc il fallait être capable de parler. Donc je trouvais ça l'exercice assez intéressant. Et puis je me suis aperçue que si nous ne parlions pas de nos recherches, d'autres personnes le feront, et mal souvent. Et ça va donner de très mauvaises interprétations, ce qui a donné forcément en ligne souvent des abus de langage. Et
On a confondu pendant longtemps vulgarisation avec simplification extrême, et ça a donné de nombreux contresens. Donc, pour moi, c'est nécessaire que les chercheurs se réapproprient leur science et la vulgariser sans la déflorer. Mais je pense que notre belle langue française a assez de mots pour pouvoir les utiliser en nuançant nos propos et qu'ils soient compréhensibles par tout le monde. Parce que finalement, la recherche publique sont payées par les impôts de tout le monde. Donc, il est normal que le rendu soit aussi fait à la plus grande partie de la population. Donc, voilà. Anthony, réaction à ça ? Alors, je suis totalement d'accord sur la distinction qu'il faut faire entre simplification et vulgarisation. Mmh. Et c'est aussi une de mes motivations à la vulgarisation scientifique. Je pense qu'on peut expliquer beaucoup de choses précises, même à des jeunes publics non spécialistes. C'est pas parce qu'on est plus jeune ou qu'on est non spécialiste qu'on doit erroner un message. Donc je suis 100% d'accord. Moi aussi, il y a peut-être d'autres motivations, dans le sens où, quand j'étais enfant, pour moi, les chercheurs, c'était des blouses blanches, des pipettes, et c'était ça la recherche. Et qu'aujourd'hui, en plus, je suis enseignant chercheur en STAPS, donc dans les sciences du sport au sens large, on pense de base qu'en STAPS, on fait des profs de sport et qu'on est prof de sport et que les étudiants seront profs de sport. Ce qui est complètement faux, finalement, est très, très réducteur de la formation. Il y a un volet recherche. Nous, par exemple, on travaille sur la pratique de l'activité physique à des fins de santé, pas du tout à des fins de performance, mais vraiment sur la santé et améliorer la qualité de vie des populations vulnérables et populations générales. Et c'est aussi, je pense, important, de manière générale, de vulgariser, mais dans notre domaine, ça nous tient à cœur en STAPS, de faire connaître ce qu'on fait et que finalement, ça touche tout le monde. Et de présenter ça à des jeunes, à des moins jeunes, à des publics hétérogènes. Je dis souvent que la recherche, ça concerne tout le monde, en fait. C'est pas que les chercheurs dans les labos. Et les résultats de ces recherches-là ne servent pas que pour la recherche. Ça a des répercussions sur la vie des gens. Quand on apprend, quand on découvre que faire de l'activité physique, ça peut avoir des effets bénéfiques sur le cerveau, c'est pas que pour des souris de laboratoire ou des chercheurs, quoi. C'est vraiment... on va essayer de faire de l'activité physique à l'école, on va améliorer, on parlait de plasticité, qui est quand même le support de l'apprentissage. Donc tout ça, ça concerne tout le monde, et en parler simplement, avec précision, mais simplement, je pense que ça fait partie du travail d'enseignant-chercheur aussi, quoi. Et donc on le fait avec grand plaisir, du coup, évidemment. Merci. Et Patricia, peut-être une petite réaction et puis une petite conclusion. Je rejoins complètement mes collègues, je ne pouvais pas les dire mieux. Il y a plein d'aspects, c'est ce que nous avons étudié, c'est ce que nous développons au laboratoire, qui ne doivent pas rester un domaine simplement des chercheurs et des scientifiques. Parce qu'il peut avoir un impact sur la population, sur tout le monde, à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge. Du coup, je pense que c'est ça les messages que nous amenons et de lesquels nous sommes conscients aujourd'hui, de son importance. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, on me dit, rien que les mots neurosciences, en fait, ça fait peur. En fait, j'ai dit, on voudrait rendre les mots plus accessibles à tout le monde. D'ailleurs, on commence déjà à réfléchir à l'édition de l'année prochaine, de la Semaine du cerveau. Alors, on se projette sur la... Oui, on voudrait plutôt faire... Il y a tellement de choses à montrer autour des neurosciences. Tout à fait. On a un peu sélectionné certaines thématiques cette année. Certains ont été suggérés grâce à la collaboration aussi avec les Rotary Club. La soirée méditation et cerveau, c'était une idée qui était proposée. Nous avons réussi à la mettre en place. Fabricio Pereira interviendra avec Madame Quignon, qui est une psychologue clinicienne qui collabore déjà avec l'Université de Nîmes depuis plusieurs années, je crois, et le professeur Tran du CHU de Nîmes. Après, nous n'avons pas spécifié la thématique de Madame Compan, Valérie Compan, qui parlera des anorexies, mais aussi du lien avec les sports, la motivation. Du coup, rejoignons peut-être un peu aussi la présentation d'Anthony Philippe. Voilà, après, bien sûr, on ne connaît pas exactement dans les détails, c'est ce qui va être présenté, mais la grande thématique. Et pour l'année prochaine, on y travaille déjà, on voudrait rendre encore plus accessible les neurosciences et suivre un peu aussi les retours, les curiosités en fonction des réactions de cette année. Et peut-être proposer aussi d'autres formes d'animation. Voilà, cette année, nous avons proposé des formats déjà testés, des conférences, des ateliers. Et peut-être l'année prochaine, on pourra se lancer dans des choses encore plus originales, variées. Voilà. Exactement. On a besoin de beaucoup d'idées, des forces vives, parce qu'en fait, comme nous avons vu, voilà, ça prend du temps d'organisation et il y a tout un travail derrière pour arriver à avoir un programme sur les 5 jours, parce qu'après, on dit la semaine du cerveau, mais bon,
pour cette année, on n'a pas considéré les week-ends en plus, c'est déjà assez riche. Voilà, du coup, on a été déjà sollicité par plusieurs collègues, les grands publics aussi. Je pense que ça va être une première édition, mais que ça va continuer dans les temps. Voilà. En tout cas, c'est notre espoir, je pense. Voilà, très bien. Merci, Patricia. Eh bien, bonne semaine du cerveau à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. La semaine prochaine, on n'aura pas d'émission justement parce qu'on sera très mobilisés sur la semaine du cerveau. Et donc, on aura une nouvelle émission la semaine d'après. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre participation à l'émission. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.